Ouais, les gars, ça va quoi. On est parti aujourd'hui pour une aventure sur F1 Manager 2022. Voilà, premier épisode de la série F1 Manager. J'espère vraiment que je vais kiffer, que vous allez kiffer. À partir de maintenant, c'est focus. Road to mettre As au sommet du tôle du Courmalet. Du tôle du Courmalet. Les amis, dimanche Grand Prix de Spa hier, j'espère que vous serez prêts à encourager les Féfé, les Alpines, les As. Ah oui, c'est parti. Ok, nouvelle carrière les amis. Un sport touchant les cœurs, les esprits et les nations. Les 20 meilleurs pilotes du monde se réunissent sur les circuits les plus iconiques qui soient. Oh, c'est des vraies images. Cet héritage se poursuit aujourd'hui. Les amis, maintenant je vais vous dire tous les champions de F1 à partir de l'année 2000. 2000 Schumacher, 2001 Schumacher, 2002 Schumacher, 2003 Schumacher, 2004 Schumacher, 2005 Alonso, 2006 Alonso, 2007 Raikkonen, 2008 Hamilton, 2009 Button, 2010 Vettel, 2011 Vettel, 2012 Vettel, 2013 Vettel, 2014 Hamilton, 2015 Hamilton, 2016 Rosberg. Oh, j'ai eu chaud. 2017 Hamilton, 2018 Hamilton, 2019 Hamilton, 2020 Hamilton, 2021 Verstappen. Bam, clac. 2022 Verstappen. Ferrari est présente en F1 chaque année depuis les débuts du championnat du monde en 1950. Bon les amis, pourquoi mon écurie est à la fin là? Quoi ce bordel? A rejoint la F1 en 2016 et l'écurie a connu un bon début de carrière, culminant à la 5e place en 2018. Elle a terminé 10e la saison dernière, mais c'est pour se concentrer sur la conception de sa voiture et l'élaboration de stratégies pour 2022. Il a dit 10e pour pas dire dernier, on est d'accord? Dernier, c'est plus représentatif. Hein. Bon, ça va être mon écurie, vous le savez. Le souci, les gars, c'est qu'on a un objectif de saison de 6e, sachant qu'on part de loin de fou. C'est dur, c'est très dur, on n'a pas de solde. Performance de l'écurie. Le personnel est pas mal. En voiture 1, on a Schumacher, ok. Bah moi déjà, ce que je ferais, c'est que je mettrais en voiture 1 Magnussen et en voiture 2 Schumacher. Après, ça se trouve, pour eux, il n'y a pas de hiérarchie. Moi, j'aurais limite envie d'en créer une, tu vois. Donc ça, c'est moi. Comment je m'appelle, putain? Gunther Buzzi, non. On est quelqu'un d'autre. On est quelqu'un qui va totalement changer. Patrick Chirac. Vas-y. Nouvelle partie, ok. Eh ben on peut confirmer, on peut y aller les amis. C'est parti, que la carrière commence. On est parti pour des lives de fou malade. Bonjour, oula. Ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Audrey Mensah, l'une des ingénieurs seniors de l'écurie. Bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir à bord. Tout d'abord, un mot sur le conseil. Ce sont eux qui fixent les attentes de l'écurie. Le conseil a défini les objectifs à atteindre pour la saison. Ok. N'oubliez pas d'aller souvent voir le conseil. Conseil important quand même pour voir où un peu on est situé du coup. La confiance du conseil, bon bah là les gars, ça peut être que moyen du coup vu qu'on n'a pas encore commencé. Budget pour la saison 57,5 millions. Je crois que des Féfé, des Mercedes c'est 150 millions non? C'est pas bridé à 150, donc on a 3 fois moins. Pour l'instant on est en outsider donc c'est bon. Les gars nous on peut se permettre pour l'instant de pas être trop bon. On voit aussi les règles par rapport à la réglementation. Ce qu'il faut changer, améliorer, bon, on va tout voir. En vrai c'est complet non? Plafond de dépenses. Ah ouais, c'est ça le plafond, 141 millions d'euros. Et si on fait premier, on a 77 millions. Ah oui. Ah mais là, on sera pas là. Dixième, on a quand même une petite récompense. Événement à venir. Début de la période des tests aérodynamiques. Commencer le projet. Bah, pour le coup, là, les gars, date de finition le 6 avril. 30 jours. Let's go, hein. Beau travail. Voici le projet lancé. Premier projet. Si vous consultez votre calendrier, vous verrez que l'équipe vous a donné une date de livraison pour la conception. Ah ouais, sur la grille, on est combien? Ah, on n'est pas si dégueu que ça, les gars, en fait. Nouveau, on serait cinquième avec ça. Ah ouais. Ah bah après, les autres le feront aussi. Ok. Est-ce que je fais des petites améliorations, les gars? Je pense que oui, non? J'ai de l'argent à dépenser, là. J'ai de l'argent à dépenser. Voiture 1, voiture 2. Putain, il y a deux voitures, mais les gars, après, attention, ça coûte un bras, putain. Là, on réduit les gens, mais j'augmente pas les coûts. Ah, c'est comme dans Clash of Clans, les ouvriers disponibles. Waouh, attendez, mais c'est hyper complet. C'est incroyable, mais après, c'est le temps de tout comprendre, quoi. Le temps de tout. Waouh. Il a comparé à Clash of Clans. Non, mais les gars, attention, j'essaye de comprendre, je suis un peu débile, mais c'est vrai que c'est stylé. Bah là, on peut se tenter ça, non? Je gagne des places sans en perdre. Ok. Ingénieur, on en met combien? On en met 4. Allez, ça part. De toute façon, j'apprendrai de mes erreurs, hein, c'est sûr. Ah ouais, conception. Ok, il y en a que 2. On peut en faire que 2. 40 jours. Du coup, j'aurais dû mettre 5 et 5 en fait. Après, ça va, il y a un projet, c'est pas très long. C'est l'un de mes endroits préférés. Tout au long, tu fabriques des pièces pour les remplacer en cas d'accident. Ok. Analyse de la voiture, analyser les performances de vos voitures. Il y a des ingénieurs ici qui doivent jouer au jeu, ils doivent se régaler.
Il doit tout est analysé à la lettre en fait. Entrepôt. Voici l'entrepôt. C'est là que nous stockons toutes les pièces que nous n'avons pas installées. Aperçu des voitures. Voitures. Chaque écurie dispose de 2 voitures, 1 par pilote, ouais. Chaque voiture est composée de 9 pièces différentes. 6 pièces aéro, 3 pièces bloc moteur. Ah ouais, donc le bloc moteur, on est d'accord que c'est Ferrari qui décide en fait. Parce que moi, As, j'ai un moteur Ferrari. Ok, donc là, on va aller voir les suspensions. Donc là, on voit à droite, vitesse moyenne, ça up. Faible vitesse, ça up aussi un petit peu, mais c'est très faible. Mais c'est de l'optimisation, quoi. Installé sur la voiture quoi, les gars? Sur la voiture 1, on va dire que la voiture 1, c'est la voiture un petit peu qui va tester les meilleurs trucs, non? Bon travail. Une nouvelle suspension a été installée. Donc là, est-ce que je me dis ça vaut le coup de fabriquer une deuxième paire pour la deuxième voiture ou pas? Vu ce que ça gagne pour l'instant, j'ai envie de me dire non. Regardez, c'est très très léger. C'est même très beaucoup trop léger. Donc je me dis, après on va voir en course, ça se trouve, en course ça se voit, mais là, sur le papier, on bat un peu les couilles, quoi. Donc là, les suspensions, on peut voir que sur la voiture 1, j'ai cela, sur la voiture 2, j'ai celle-là. Faux plat, j'ai le même, châssis, j'ai le même, aileron arrière, j'ai le même sur les deux voitures, aileron avant aussi. Bloc moteur, j'ai pas le même. On peut voir l'état, c'est l'état d'usure, c'est ça, quand l'état est genre à 20%, faut quand même penser à changer pour pas que ça explose en course, quoi. Ça tombe en panne. Accueil, voiture 1, est-ce qu'on mettrait pas plutôt Magnussen, hein? Je sais pas, moi je mettrais plus Magnussen sur la voiture 1, mais est-ce que c'est possible? Le salaire de Magnussen, il est incroyable. Ah, il avait négocié déjà la voiture 1. Du coup, faut renouveler et lui dire qu'on lui propose une voiture 2, en fait. Prospection pour un remplaçant. Genre Théo Pourchaire, par exemple, que j'aime beaucoup. Victor Martins, Théo Pourchaire, quand F2. Est-ce qu'on le prospecte? Prospection standard. Je peux le mettre en troisième pilote à la place de Fittipaldi. Et après, si je vois qu'il fait le taf, je le mets à la place d'un autre. Sachant que plus on propose de saison, plus lui il a de chance de dire oui. Salaire, les gars, attention. Salaire, ça reste un mec qui est en F2. Le mec qui a faim, il veut aller en F1, faire ses preuves. On n'est pas obligé de le payer cher. Hein. Je pense qu'on peut lui proposer un salaire qui est quand même relativement faible. 230 pour 3 saisons en pilote de réserve. Il est mieux noté que Fittipaldi. 200K, 3 saisons, réserve, on propose. Oh, c'est envoyé. Oh, le chien. C'est déjà la réponse? Un retour aux négociations. Ok, le mec qui veut. Ok, le mec qui croit qu'il pète plus haut que son cul. Vas-y, allez, vas-y, je te prends même pas. On va regarder le salaire de Fittipaldi, les gars. 230 000 de salaire. Donc en vrai, c'est exactement ce que j'avais proposé, non? 250? T'as mis 200. Ouais, je mets 250, 3 saisons. Tu vas me lécher les boules, toi, mec. Vous croyez qu'un bonus de départ, ça lui ferait plaisir? Non, vas-y, ma mère, je donne un bonus. Attends, mais il se fout de ma gueule! Attends, mais il se prend pour qui, lui? Il se prend pour Michael Schumacher ou quoi, là? Attendez, mais là, on est presque à mon salaire mensuel. Non, mais attendez, c'est énorme! Non, mais wow! Il veut être payé comme un YouTuber ou quoi, là? Sinon, vas-y, je mets 4 saisons à 350. Alléluia! Théo Pourchaire, enfin! Oh là là! Attends, pour l'embaucher, faut lâcher 670 000 balles? C'est pour casser son contrat, c'est ça? Il est pour cher pour le coup, hein. Il est cher. Pour cher. Ouais, pas mal, j'aime bien. Oh putain, les gars, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un très bon pilote français? Ah là là, mais j'ai le flair. On va pas le regretter, ok? Ok, les gars, on va pas le regretter. C'est un investissement lourd, mais c'est un bon investissement, ok? Voilà, je le sens bien. Est-ce qu'on tège Magnussen? Vu que c'est le début de saison, les gars, moi je préfère faire le ménage direct, hein. Pas te mentir. Ah, Magnussen, on est à 4,3 millions. Coup de rupture. Ah! Magnussen, t'es bon, toi, en fait. T'es bon ici, toi. T'es vraiment fort comme pilote. J'aime beaucoup Magnussen, les gars. Je suis très content de l'avoir dans mon équipe. Je suis très très content. Par contre, 3 ans, fait chier, quoi. J'aurais préféré 5. Je pense que, les gars, on reste comme ça. On laisse Théo Pourchaire en réserve jusqu'au Grand Prix de France. Et après Grand Prix de France, on voit. Ok. Info sur le circuit. Ok, on peut tout voir, du coup. Performance de la gomme, c'est important. En vrai, je sais que les rouges à Bahreïn, les gars, c'est pas terrible. Hein. On est d'accord qu'on sera sur une stratégie jaune-blanc, non? Stratégie attendue. Tendre, moyen, tendre. Ah ouais? Ah putain, mais c'est trop bien! Là, je suis dans un dilemme. Est-ce que j'assure la Q3 pour toucher 1 million de dollars? Mais par contre, je vais devoir partir en rouge, parce que forcément, je crois qu'on prend les pneus de la Q2. Et faire les Q2 en médium pour faire un Grand Prix avec un arrêt au stand, c'est compliqué. Parce que là, en vrai, sinon, j'aurais tenté quoi, là? J'aurais tenté un seul arrêt en faisant jaune et blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de faire du 3 arrêts. Enfin, du 2 arrêts. Bon, de toute façon... Bienvenue dans l'archipel de la F1. Bahreïn est certes petit, mais il montre sa grandeur en ce moment dans les tribunes. Bahreïn est un circuit difficile et les voitures doivent souvent rétrograder de la 5e à la 1ère pour négocier les virages étroits. Tout est une question d'équilibre pour décrocher la victoire ici. Ah, c'est vrai qu'à Bahreïn, on a le virage le plus difficile. Tout peut arriver. La compétition est lancée. Q1,
véhicule. Oh là 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 là, les gars, donc nous entamons premier week-end. Là, le but des essais libres, c'est quoi? C'est de tester la caisse et on voit les retours, c'est ça? Là, les gommes, là, c'est pour tout ou c'est juste pour les essais? Ah, c'est pour tout! Ah oui, là, j'aurais été dans la merde. Oh là 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 là, j'ai fait une dinguerie. Ok, ok, Bahreïn, Grand Prix. Donc là, résultat des essais libres 3, on voit que Magnussen, 11e! Oh là là! Schumacher, 16e! Mais c'est magnifique, ce qui se passe, putain, j'ai plus de voix. Juste derrière les Alpines, c'est très très bien, on est devant les McLaren. Est-ce qu'on y va, les gars? Est-ce qu'on commence cette séance? Il y a quand même presque une seconde d'écart entre les deux. Hein. Aïe, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais, en deux tours lancés, c'est pas possible parce qu'il y aura trop d'usure, ouais, t'as raison. C'est plus s'il pleut ou si... Ouais, s'il pleut, en fait. Là, tu peux te mettre en deux tours lancés, mais sur une piste comme ça, il fait très chaud. Bien sûr que je vais gérer. Vous savez qu'au Grand Prix Explorer, ça va être pareil. Q1, Q2, Q3. C'est ma première séance de qualif, les gars. Hop, 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 il est parti, Michael Schumacher. Michael, oula, Mike, plutôt. Jojojo. Donc là, c'est le tour lancé. Ok, on va voir le tour là de Schumacher. Oh là là, c'est parti! C'est parti pour Mick Schumacher! Le tour lancé! Allez! Il y a personne pour l'aspiration, mais c'est pas grave. Oh non, non, non! Profite de la largeur de la piste! Oh là 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 là! Oh la 8, je sais pas si elle est utile. La largeur de la piste! Il joue à la manette ou quoi, là? Ok. Oh. Oh. Elle était optimiste, ce freinage, mais il est passé. Oh, la réaccélération, c'est dur. On va Magnussen. Allez, allez. Une combien? C'est un bon temps pour un tour lancé. Gardez un œil sur le classement tout au long de la session pour essayer de garder les pilotes hors de la zone à élimination directe. Il est où Magnussen là? Ah, il est là, j'ai pas vu. Ok, ok, il s'est fait passer par Ricardo. Ah ouais, Ricardo, bon. McLaren avec 61 millièmes, 6 centièmes. Ça va, Latifi est derrière, c'est bon signe déjà. À combien de temps? À 1 seconde 4, c'est plutôt pas mal. Notre pilote est de retour au stand. Il faut reconfigurer ça avant de pouvoir le laisser repartir. Nouvelle gomme. On lui met celui-là, par exemple. Non, mais là, on prend ces pneus-là, plan de session, configuration de la voiture. Non, mais là, on peut pas changer en pleine séance de qualif. Ah, je mets confirmé. Ok. La voiture est prête à repartir, c'est quand vous voulez. Ok, donc là, c'est parti pour Magnussen, là. Oh, le virage, il a... Ah, en vrai, parfait, parfait, parfait. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Merde. On est même pas... Si on est à la moitié... Ça pue ça. Ah, manuel, c'est ça. Ah. Attendez, mais après, du coup, là, faut tout. C'est lui qui gère quand même, là, si je fais rien. Mais il fait là. Deuxième ? Pause. Attends, quoi ? Deuxième ? Ah oui, en fait, c'est moi qui donne les consignes. Ok. Donc là, vu qu'il a fini son tour d'attaque, là, je lui mets va tranquille, quoi. Impact sur le carburant. Les voitures consomment du carburant sur la piste. Une charge de carburant plus lourde réduit l'accélération et ralentit les tours. Interdiction de ravitaillement. Ah ouais. Donc là, je mets en conservé. Et énergie, ok, bon, ça, je vois c'est quoi. Je me mets il en récupération. Trois stratégies ERS qui déploient plus d'énergie qu'elles n'en récupèrent. Ok, donc là, je me mets en récupération. Devant Hamilton et Sainz, ouais, mais c'est quoi ce bordel? Donc là, on est d'accord que j'ai bien fait. Charge on. Copy that. Je suis mort. Je suis avec lui, eh. Attends, mais attention, on n'attaque pas. Attends, mais lui aussi, il est en récupération, je pense. Il attaque un peu pour un mec qui est en relance, là. De toute façon, je vais faire que deux essais, hein. Je vais pas en faire plus, hein. Il sait qu'il faut rentrer au stand, là? Je suis pas sûr qu'il sache. Ok, donc là, il rentre au stand. Non, mais normalement, par séance de qualif, on fait deux tentatives, non? On s'en sort bien, on a Schumacher qui est 7e pour l'instant. Bon, on a pas mal qu'à rouler, mais... L'objectif, c'est d'aller en Q2 avec au moins une voiture, déjà. Avec les deux, ce serait bien, comme ça, on a plus de chances d'aller en Q3 une fois. Et là, je ressors à 3 minutes de la fin, on est d'accord? Magnussen, Schumacher... Ah, il a la limite. Les amis. Je commence à comprendre, c'est vraiment bien, mais attention, c'est pas simple. C'est pas simple, mais là, je pense qu'on peut sortir 3 minutes. Ouah, peut-être un petit peu avant quand même. On va dire 3 minutes, 4 minutes. Magnussen ne le fait pas ressortir. Oui, parce que j'ai pas configuré sa voiture à Magnussen. Je lui remets un petit train neuf. Je confirme, hop. Je vais ressortir les deux, on est d'accord. 4 minutes 20. Il y a personne en vrai. Vas-y, on renvoie Schumacher. On renvoie Magnussen. Mama, c'est parti. En plus, ça va peut-être profiter de l'aspiration, là. Ils vont se gêner. Oh non, en plus, j'ai mis Magnussen qui est juste derrière. Là, je suis sur qui, là? Schumacher?
Parce qu'après, il va falloir que je le mette en... Oh là, je vais faire une erreur, c'est sûr. Magnussen, il va doubler. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, ils vont se gêner. Oh non, ils vont... Ah, c'est bon, il le double, let's go. Par contre, attends, il y en a, il va trop vite, là. Schumacher, Magnussen, trop vite. Là. Oh putain. Attaque. Poussée. Dépassement. Schumacher. Ok, c'est reparti. Oh bordel, non. Oh non, c'est la cata. Oh non. Oh non. Ah, oh, c'est mort. C'est déploiement. Ah, mais là, c'est mort, de toute façon, c'est mort. Hop, conservation. On est foutu. Puis, je l'ai même pas mis sur l'autre. Ah ouais, mais là... We need a back off. Là, les gars, on est coincés. Je l'ai fait relancer dès que ça lance, là, non? Oh merde, je fais de la merde. Ils vont rentrer, là, non? Je crois qu'ils vont rentrer. Ah non, ils relancent? Ah ouais, mais non, ouais, c'est mort. Ok, bon bah les gars, attention, je suis perdu là. Ouais. Alors gérer deux en même temps sur les séances de qualif, attention. Putain, c'est pas simple. Oh, ah. C'est un tête à queue. Tête à queue. Jetons un œil au ralenti. Voyons donc ça, c'est Lance Stroll. Ah bah, et c'est voilà. Pas étonnant. Oui, le petit c'est spin. Là qu'a eu lieu le tête à queue. Ah, je suis mort, c'est mal fait. C'est quoi ça? Il aurait pu repartir. Grosse déception pour l'écurie. On espère que ça ne leur fera pas prendre trop de retard. Non mais c'est trop bien. C'est trop bien pour moi ça du coup. Bon, il y en a sans doute qui étaient déjà passés mais... Là il a appelé... Là ils sont appelés tous les deux les gars. Déjà. Je pense qu'ils vont entrer. Ouais c'est bon. Mais du coup... Oh putain ça passe en Q2. La chatte. Ah non. Ah non. Par contre Magnussen 10e. Bon bah les gars, de toute façon attention, là j'ai mon cerveau il fuse dans tous les sens, c'est trop compliqué de gérer deux bagnoles comme ça là. Donc là au moins on va avoir que Magnussen, et là je peux vous dire que ça va swinguer là. Charles Leclerc beaucoup trop fort. Ah 16e, j'avais pas vu, je croyais que c'était 14. Bon bah on a Magnussen, qualif en cours, ok, on est bien, rapport, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon. Q2 c'est bon, on a atteint l'objectif ici. Oh putain ça va être compliqué, je le sens. Oh, bien sûr qu'on va gérer, wesh, vous êtes fous quoi, comme si j'allais simuler ça, vous êtes des fous. Ok, Q2. Ah, par contre, niveau... Attendez, j'ai plus trop de pneus là. Hein. Est-ce qu'on garderait pas ce train-là pour la deuxième tentative, les gars? Le train 9? Et pour la première tentative, on se prend un truc un petit peu usé, mais pas beaucoup. Je pense que c'est pas mal. Configuration de la voiture, tout ça, bah là, on va rien changer. Hein. Dans tous les cas, si on change un truc, il va se planter, c'est sûr. Ok, donc là, on s'est pris des petits pneus un tout petit peu usés pour cette première tentative. Et là, on peut l'envoyer, hein. Merci Ozen. Faut faire des pauses pour mieux gérer les deux en même temps. Ouais, je pense que t'as raison. Donc faut mettre déploiement en qualif, c'est ça? Ah oui, dépassement, c'est vraiment en course quand tu dois vraiment le mettre. Ouais. Le jeu est bien, bah là, les gars... Après, j'ai la chance d'avoir un chat. Je suis trop heureux, les gars. J'ai l'impression que je suis un manager de F1, les gars. Alors que je reste un putain de youtubeur de merde. Ça fait plaisir. Eh, derrière Leclerc, les gars, l'aspiration sur la ligne droite, on peut peut-être s'en servir. Non, ne... Attendez, on va voir ce qui se passe en course, là. Waouh, t'es où là, Kevin? T'es où là? Tu te prends pour qui? C'est quoi ce bordel? Vas-y, donne-lui l'aspiration. Ah, je suis déjà au minimum, les gars, je peux pas faire mieux, hein. c'est une tête de mule. Ok. Là, les gars, il est temps de passer à l'attaque. Il est temps de passer à l'attaque, et puis on croise les doigts. Par contre, j'ai peur qu'il y ait tout le monde qui sorte en même temps. Oh non, arrêtez. Ça va me saouler, ça. Oh, ils vont tous sortir en même temps. Oh non, trop tôt. C'est trop tôt, là, encore? Ok. Maintenant, Bouzy, maintenant! If you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Copy that. Allez, Kevin, c'est parti. Y'a personne qui sort encore. Let's go! C'est bon, t'as le terrain, toi tout seul, Kevin! Régale-toi! Prends plaisir! Sois le meilleur. Allez, Mag, on est derrière toi. Allez, les gars. Allez, Kevin. Allez, la réaccélération, plus vite! Il a pas d'aspi, mais personne prend l'aspi sur lui, il y a juste Leclerc derrière, donc là il va faire le meilleur temps forcément. C'était quoi son temps juste avant? Une 32 quelque chose, non? Je m'en rappelle plus. Donc là on peut voir par exemple que Kevin, sur les deux premiers secteurs, il se fait bouffer par Charles. C'est normal. Après le premier, regardez, il y a que 3 dixièmes. C'est beaucoup. Le deuxième, il y a beaucoup aussi. Bon bah les gars, de toute façon c'est Charles Leclerc les gars, on peut pas rivaliser, on est d'accord. Mais on est contre le premier, on peut rien faire. Allez, à fond. Voilà. Il va bientôt falloir refaire le plein. Ah oui, on fait rentrer la voiture. Une 32-2. Pas dégueu, c'est mieux que tout à l'heure. Ok, on va attendre un petit peu. On a fait une bonne petite première séance. On est 7e. On est devant Russell qui est chez Mercedes. Là, tous ceux qui sont devant, bon, ça reste logique. À part Gasly, peut-être que j'aurais pu essayer
viser mieux. Il y a qui? Tsunoda, je pense que je fais mieux. Les McLaren, faut vraiment que je fasse mieux. Les gars, si on va en Q3, c'est jackpot. Hein. Oublie pas les pneus, ouais. D'ailleurs, on va faire ça maintenant. Hop. On se met le petit train de pneus tout neuf pour la deuxième tentative qui sera tout à l'heure. On saura quoi? On saura 3 minutes. Tout à l'heure, on s'est fait niquer. Là, faut sortir à 3 minutes, non? Bon, Tsunoda, il est derrière. Oh putain, je suis 9ème. Putain, je suis limite. Hein. Oh les gars, c'est pas mal. Hein. Il reste Zou. Zou, il est là, les gars. Attention, Zou. Est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il va faire mieux? Non, impossible. Oh bordel de merde. Ok, je suis 9ème. Ok, je suis 9ème. Pour l'instant, ça passe en Q3 pour moi, les gars. Pour l'instant, merci beaucoup, Jay, encore. Ok, là, ça sent bon. Je ressors à 2,40. Vous êtes sûr? T'as le même temps qu'Ocon. Ah putain, oui, j'ai exactement le même temps que Ocon. Mais c'est incroyable, c'est improbable. 2,50 pour être sûr. L'essence, c'est bon. Ouais, c'est auto, l'essence, ouais, c'est bon. Ok, ils commencent à tous ressortir. C'est parti, les gars. Ouh. On a les pneus neufs cette fois-ci. Allez, Kevin, on compte sur toi. Régale-nous. Magnussen, hop, on va prendre le contrôle. Hop, ERS, c'est bon. Récupération, on est bon. État de la voiture. Ça, ça va être plutôt en course qu'on pourra voir ça bien. Critique, ok. Ok. Ce serait trop tard, je crois. Non, 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 non. Non, c'est bon. Et pourquoi il faut qu'il double Magnussen? Je comprends pas. Faut toujours qu'il double. Il y a du monde devant pour prendre l'aspi. Ça va peut-être gêner carrément. Il y a Sainz. Ok, là, on se met à fond. Déploiement. Et les amis, je crois que c'est parti. KKV, no management required, so push as much as you can. Copy. Allez, régale-nous, Kevin. C'est ton moment. Régale-nous. On appuie sur la flèche droite au classement. Ah, ici. Ah, ok. Amélioration dans le secteur 1, les gars. Amélioration dans le secteur 1 pour Kevin Magnussen. Ils sont tous en amélioration, donc les gars, je vais pas vous dire qu'ils étaient obligés. Hein. La fin du tour, vous le savez. Ok, la reprise a été dure, mais tout à l'heure aussi. Norris, c'est bien, il est en deux drapeaux jaunes, c'est parfait. Attention, le secteur 2, bientôt terminé, on va voir. Est-ce qu'on va être en amélioration? Oui! On est encore en amélioration! Oh, c'est magnifique. Non, mais là, dans tous les cas, je pense que c'est une Q3 assurée. Hein. Oh putain, attention quand même. Oh! Ocon qui améliore de fou. Allez, s'il te plaît. Oh! Attends, il en reste un? Non, mais non, c'est sûr qu'on est qualifié. C'est sûr! Parce que même si Russell fait mieux. Oh, let's go! 10ème, oh la chatte! Oh, oh la chatte! La Q3, les gars, let's go! La tunasse! Oh! Oh, c'était chaud! Oh, c'était chaud, la chance. Merci, les gars. C'est grâce à vous. On passe en Q3. Ça va, c'est assez large. Sur Zou, pas trop large, mais un petit peu large. Oh, putain. Magnussen, on a amélioré sur les trois secteurs, mais pas de fou, tu vois. Bah, les amis, on passe en Q3. C'est une très bonne nouvelle. Bon, la Q3, je pense qu'on va pas faire des miracles. J'ai limite envie de prendre des vieux pneus parce que je sais qu'on fera 10ème. Ah, il redonne des pneus en Q3. Ok, ok, je savais pas. C'est les nouvelles règles, ça. Première tentative, on se prend celui-là. On va se prendre celui-là. Et son auto pour le tour de chauffe, comme ça il dépasse pas. Ok, bien vu. Merci mec. Vas-y, on envoie. Hein. De toute façon, là les gars, on fera pas de miracle malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Enfin, de toute façon, on est en Q3, c'est très bien. Après, en course, normalement ici, je mets pas de soft. J'ai envie de faire qu'un arrêt, mais est-ce que c'est possible dans le jeu? Un arrêt en faisant du jaune-blanc. Et là, on va pouvoir attaquer. Déploiement. Bon, bah, c'est parti. Hein. Après, est-ce qu'on peut pas aller chercher Gasly? Je suis pas sûr qu'on puisse aller chercher Gasly. Je le rattrape un peu. Est-ce que je peux pas avoir un peu d'aspi sur lui là? Ah non, il est loin. Ah, j'en ai pas. C'est pas grave. Et là, on est combien? Ouais, on est loin. Ouais, on est loin, les gars. Pff, c'est pas grave. On rentre au stand tranquillement. Et on va se retenter ça avec les pneus neufs, voir. Oh, quoi que quoi? Attends, quoi? Ah, mais Leclerc, il s'est planté. Ah, Leclerc s'est planté. Il a loupé son tour. Par contre, Bottas, on peut peut-être aller le chercher, Bottas. On met les pneus neufs. Ok, si on peut commencer 9ème, pourquoi pas, hein. Et là, je vais renvoyer. On est parti, les amis. On a Bottas juste devant. Attention, là, on est en auto, donc il peut pas doubler. Ouais, en fait, c'est quand tu prends le contrôle, ça double. Mais bon, là, c'est pas grave. Hop. Et là, on va se mettre en... Hop. Ça, c'est parti, les gars. J'espère que vous êtes prêts pour suivre ce tour de fou malade avec moi. Let's go. Kev, if you've got some margin, try to increase the pace a little bit. Ah, Bottas est un peu loin, c'est dommage. Ah non, mais on l'a doublé, Bottas. Oh non, il a perdu du temps, c'est sûr, avec ça.
ça va. Mais en dépassement, ouais, ça tient pas sur un tour entier. Et déploiement, c'est fait exprès pour les qualifs. Bottas est devant. Ah, il est juste derrière. Ah oui, ok, il est devant. Ah oui, ok, j'ai pas compris. En fait, je regardais à gauche, je suis un connard. Autant pour moi. Ouais, faut mieux mettre les secteurs une fois que t'as déjà fait. Quand c'est ta deuxième séance, enfin ta deuxième tentative par séance, tu mets les secteurs, c'est mieux. Là, on améliore. Bottas aussi, donc c'est con. Le but, c'est que Bottas n'améliore pas. Mais là, malheureusement, ouais. Là, je pense que ça va être compliqué. Bottas est rapide, on n'arrive pas à rattraper. De toute façon, ça joue à rien, donc rattraper quelqu'un. Hein, ouais. Et j'ai l'impression que Bottas a un petit peu d'aspi, non? Sur Gasly. Ah, j'améliore pas là, ouais, c'est mort. Ah, Bottas non plus? Alors peut-être? Ah, Bottas est repassé devant, et là, attention. Quoi, Bottas 6ème? Allez, s'il vous plaît. Les gars, c'est maintenant, allez, s'il vous plaît. Ah, bah non. Non, mais c'est pas grave, c'est la place qu'on mérite, on est très bien 10ème, c'est très bien. Un pneu neuf, j'ai pas amélioré. Bah ouais, il s'est peut-être planté, hein. Magnussen. Hein. C'est pas non plus le. Voilà, c'est pas un robot, quoi. Ah ouais, on est loin. Malheureusement. Paton Bottas, bordel de merde, il a fait un truc de fou, wesh. Non, mais il a cheaté, la ouais. La grille est pleine et il y a de l'électricité dans l'air. Quoi de plus normal? Il est mal fait, là, Kevin, wesh. As s'est montré pleine de ressources aux qualifications. Cet avantage a mis les. Premier GP, on finit 10ème, les gars, c'est plutôt bien. Hein. Enfin, fini 10ème. Au qualif. Et on n'est pas encore en course. Place à l'événement principal, le Grand Prix de Bahreïn. Là, si on peut marquer des points ici, ce serait vraiment le top du top. Qualif terminé quoi, 7ème? Comment ça se fait? Ah non, essai libre, putain, non, les gars, autant, je suis un connard. Je pensais pas qu'il m'aurait mis essai libre hein, direct. Ok, bon, bah les gars, je crois qu'on peut continuer. Hein. Du coup, on valide ça, on valide la Q3, et du coup, on empoche 290 000. Tour le plus rapide. C'était quoi déjà ça? 15ème, voiture de 9ème. Ah ouais, c'est chaud, on verra bien. Ok. Chaque pilote doit faire au moins un arrêt au stand pour monter de nouveaux pneus. Stratégie, ok, planification... Ça ressemble un peu à F1-22, non? Ça, j'aime alors, bien, ça. La stratégie A est une option rapide, mais risquée. Eh oui, il y a ABC. Ah non, ça pue sa mère. Ok, bon. Là, les amis, ça, c'est beau. Ça, j'adore. Là, moi, je pense, moi, de mon point de vue, sur les Grands Prix de Bahreïn, il faut commencer en M, finir en H. Premier tour de session, M. Objectif d'allure. Ah ouais, on peut tout faire, quoi. Blanc, médium. Non, pas un départ en blanc, les gars, c'est chaud. Départ en blanc, c'est trop chaud, les gars. Tu te fais liquider. Une stratégie différente. Ouais, par contre, le H, il tient pas. Le H, il tient pas, les gars. C'est mort. MH et S, ou qu'est-ce qu'on fait, les gars? En vrai, il peut y avoir une voiture de sécu dès le début, donc les S, c'est pour ça que ça peut être bien au début aussi. Bon, là, on fait MMS. Un truc comme As, genre. Bah, en fait, le problème, c'est que sur ce circuit, normalement, les S, c'est de la merde. Hein. Je vous promets que normalement, les S, c'est de la merde. Ça me fait chier de mettre des softs sur ce circuit. Je vous promets que c'est vrai. J'ai pas envie de mettre de soft sur ce circuit, les gars. Les H sont bien, hein. Les M, je pense, c'est les meilleurs, mais... En fait, il y a peut-être une voiture de sécu aussi. Voiture de sécu au début, parce qu'il peut y avoir accident, donc avoir des S, c'est bien. S, H, M. Là, je trouve qu'on est pas mal, non? Avec un truc, on attaque bien au début. Vous en pensez quoi, un truc comme ça? Vous voulez pas de H, vous? S, M, M. Et après, en course, on peut lui dire, on part sur la stratégie B, c'est ça? Raccourci le second M. Comme ça. Ok. Stratégie B, on part sur du H. Et M à la fin. Mais de toute façon, il faut toujours attaquer un peu plus au départ. M à la fin. On peut faire ça, tu vois, en stratégie. Stratégie B, on garde la A là. Et ensuite, pour lui, on lui met la même strat ou... Stratégie voiture 2. SMM. Bah, en vrai, c'est pas mal. Hein. Et puis lui, vu qu'il est dixième, faut pas qu'il se fasse doubler. Avoir du S au début, c'est peut-être mieux. Faut pas qu'il fasse accident non plus. Comme ça. Regarde avec la météo. Ouais, mais ici, la météo, elle fait toujours beau, non? Il va pas pleuvoir. Ouais, quand il va avoir des stratégies avec de la pluie, ça va être incroyable, non? Ça va être incroyable. Avec Mike qui part tout derrière, faut tenter qu'un stop. Ah, pas bête. Pas bête, ça, ce qu'il a dit, là, le ref. On se la tente? Allez, les gars, on est... Hey, Mike, il y a très peu de chances qu'il gagne des points. Allez, mec, je te fais confiance. Par contre, du coup, on va avoir une allure constante et on va même peut-être même pas attaquer au départ, si. J'ai envie de tenter ça avec Mike. MH. Par contre, s'il y a une voiture de sécu, j'ai trop le seum. À part si elle est là. Si elle est là, c'est parfait, mais... Et au pire, j'attaquerai un peu à la fin, quoi. Mike. Oui, bon, les gars, ça va. Non, je pense qu'on est pas mal. Ok, bon, bah, les gars, je pense qu'on part là-dessus. 16, 10. Allez, les gars, bah, les couilles. C'est notre première course. On verra bien. On apprendra des erreurs qu'on fait. Mais Bahreïn, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est dans le désert. Il pleut presque jamais. Merde, avec Magnussen, je suis en plan B. Merde. Comment je peux faire? C'est trop tard? Non. Oh non, j'ai pas à cliquer au bon endroit.
Allez Magnussen, tranquille. Voilà, agressif, mais pas trop non plus. Voilà. Allez, on pousse un peu là. Là, c'est moi qui gère, genre ça gère pour comme si j'étais dans la Formule 1 ou pas ? Mike, toujours 16, Magnussen 10. Derrière, c'est comment là ? Ok. On va se mettre en déploiement. Allez, go, 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 go. Oh, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut qu'on garde cette position. On peut pas faire des courses qui durent un peu moins longtemps aussi, j'avoue. Peut-être que 57 tours. Non, mais là, je pense que si on maintient cette position, c'est très bien, les gars. En plus, on distance un peu là. Si on peut se mettre hors DRS derrière. Le but, c'est que là, derrière, il soit hors DRS. On est collé. Ouais, non, ça va être compliqué. Oh ! Ça tente là, hein ? Allez, allez. Non, c'est osé, c'est osé. Oula, attention, on va pas à l'erreur. Mon 0,5 tour, c'est pas grave. Ouais, je peux avancer le temps, les gars. Je vais l'avancer. Hein. Là, vu que c'est le début de la course. Et là, on se met, attention, tête en neutre là. Et mettre en dépassement. Oh ! Ok, récupération, drapeau jaune. Voyons un peu ce qui s'est passé. C'était donc l'Aston Martin. Vettel ? Oh. Voilà, c'est là. Il a fait la même chose, c'est scripté dans le jeu, je suis mort. Mike, ça dit quoi Mike, les gars, là, derrière. Non, là, il reste là et c'est bien, pensez pas. Je pense qu'il faut mieux jouer sur Magnussen, là. Drapeau jaune doit être terminé. Allez, on va pousser un peu. Allez. Allez, go. C'est maintenant. Oui, 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 oui. Allez, allez. Oh non, mais c'est quoi ça? Ça s'est arrêté net. Ok, là sur la ligne droite, ça passe, t'es collé, t'es collé. Voilà, ça glisse, ça glisse. Aspi! Mais prends l'aspi, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Prends l'aspiration! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! On dirait Bibi à la F4, là, putain! Oh non, c'est pas possible. Non, mais là, c'était donné, c'était donné. On va devoir maintenir notre position. Parce que là, on voit que Kevin, il est pas dedans, là. Il est pas dedans, il est pas dedans. Derrière, c'est comment, là? Ok, c'est loin. On va laisser comme ça pour l'instant. Oh putain, attention. C'est pas mal ça. Ok, là on va pousser. Allez, il est temps de pousser là. Mais maintenant tu prends l'aspi, s'il te plaît. Oh putain, secteur de... drapeau jaune, tu peux pas doubler. Si, tu peux. Oh c'est bon. Oh le... Je pense qu'il y a eu un tête à queue. On va pouvoir revoir ça. C'était l'Aston Martin. La voiture fait un tête à queue. Ils ont quoi contre les Aston Martin, le jeu, wesh? Ah là 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 là, par contre, on a dépassé Gasly, les gars. Ça, c'est beau. Ça, c'est plutôt beau. Et là, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Attention quand même à la pointe de corde. Derrière, c'est comment, là? Ouais, ça va attendre de repasser. On vient de gagner une place, on dirait. Ah là, en termes de RS, ça va être compliqué. On va devoir défendre. Ok, c'est bon. On ne passera pas. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. C'est limite, les gars. Mike, ça dit quoi, là? Ça dit quoi, Mike? Ok, ça va, tu te maintiens. On va pousser un peu avec toi, Mike. En vrai, hey, les gars, on peut pas gérer les deux caisses. C'est trop dur. Parce que c'est une même course. Je peux... Oh, c'est dur. En fait, il faudrait qu'on soit deux et qu'il y ait deux écrans. Là, tu peux pas, c'est trop dur de gérer deux caisses. Comment ça, Mike? Non, Mike. J'avoue que Mike, c'est intéressant parce qu'il a deux voitures qui sont en train de se battre devant. Il peut faire d'une paire de coups, mais le problème, c'est que je peux pas laisser Magnussen alors qu'il est dans un peloton qui joue les points, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. ERS là. ERS, on se met en défense. Carburant, on est toujours en poussée. On va peut-être se mettre là en équilibré. J'ai peur qu'il aille à la faute, Schumacher. Parce que mettre agressif sur un pilote qui est pas forcément incroyable, ça peut l'amener à la faute facilement, je pense. We're happy with you pushing. Ok. Alors peut-être. Ah, il est sur Ricardo. Ok, il est pas loin. Ok, Gasly non plus. Et là, on va se mettre en... Allez, go, 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 pousse, pousse, pousse. Pousse, 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 pousse. Ah, mais j'ai plus de RS, merde. Et si je me mets en récupération? Ça va être compliqué. Au fil
de la course, pensez à garder un œil sur la stratégie que vous avez mise en place. La vue donnée. Ah oui. Carburant. Oh bah, attention quand même. En récupération, ça va être dur de maintenir la position, non? En vrai, il s'en sort bien, Kevin, les gars, on est d'accord? Charge off. Cover that. Là, je pense que les pilotes sont en mode je garde le rythme et on reste comme ça. Il y a un petit peloton. Très beau dépassement de As. Oh bâtard. Regardons ça de plus près. Oh bâtard. Alors, regardons ça. Oh là là! Oh, Schumacher sur Ricardo! Oh là 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 là, moteur Ferrari beaucoup trop puissant. C'est beau. 14e place, il a gagné 2 places. C'est beau ça, les gars. Après, attention quand même, carburant, on est bien. Allure agressif. On va se remettre en neutre. Là, le temps d'aller chercher ceux qui sont devant. On va pas abuser non plus. En plus, je crois qu'on a encore le DRS. Magnussen, là, ça dit quoi? Il est obligé de défendre, là? Non, mais pourquoi tu te mets au milieu de piste? T'es pas obligé de défendre, là? Ah, il sait faire dépasser. Merde. Il sait faire dépasser en ligne droite. McLaren gagne une place. Bien joué. Hein. Revoyons ça. Bien joué, bien joué. Ricardo est bien impliqué. À l'aspiration, on peut pas faire grand chose. Par contre, j'ai réussi à garder sur Tsunoda la place, mais c'était juste, hein. Check, usure pneu. On voit que moi, je suis à 60 et 67. Aïe, ça fait mal au cul. Schumacher, 85, ouais, parce qu'il est en jaune. Je suis le seul en jaune, d'ailleurs. 67, ça fait mal au cul. Faut peut-être se calmer avec Magnussen sur la conduite. On va plus être en agressif, on va se mettre en standard, non? Parce que là, j'ai un peu de retard. Ouais, là, on peut tenir le rythme là, en vrai, on l'a, hein. Là, on est dans le secteur sinueux, on peut se mettre en récupération. Ok. Gasly, il est pas dans... Oh putain, mais ça tente. Ah oui, mais là, c'est... Je suis marreur. Attends, mais ça retente le dépassement, là. Ça passe? Par l'extérieur? Oh la vache, ça a failli passer. Et du coup, j'aurais dû mettre... Merde, ça a failli passer, les gars. J'aurais été agressif, ça serait passé, mais bon. Attention quand même. Magnussen. Non mais là les gars, on essaie de garder ce même rythme. On est en standard, on est bien. Récupération. Alors en récupération là, je me fais soulever ma race. Ouais, je me fais soulever ma race. Défense. Oh, Gasly qui a eu peur. Gasly qui a eu une petite frayeur. En récupération, je perds vachement de temps. Là c'est bien. J'ai un peu de retard sur eux, c'est très bien comme ça, je use pas trop ma gomme. Ah, essence, ouais, on va mettre conservé peut-être. Non, je peux pas. Là, il va le dépasser, là. Allez, go. No more lifting coast. Allez, ça passe. Ouais, ça passe! La bataille entre Schumacher et Ricardo! C'est une belle bataille, ça! Le reste, il est en défense. Il est comment, là, derrière? Oh! Ah, mais... Attends, ah oui, là, je suis sur... Ok. Ok, il est loin. Il est loin, il aura pas le DRS, c'est parfait. Là, en vrai, Magnussen, s'il peut garder ce rythme, c'est parfait. Et pour Schumacher, 14e, il vient de passer Tsunoda? Il vient de passer Tsunoda, les gars? Ou j'ai rêvé? Il était 15? Oh, merde. Ah, mais non, ça va peut-être pas passer, là. Ah, défense, ça va être compliqué. Va falloir pousser un peu sur le carburant. Aïe. Okay. Ah c'est bon, ça passe pas. DRS Magnussen, putain, on a plus. Descend trop vite, voilà, ça passera pas. Ah là là, Tsunoda qui va repasser devant, c'est pas grave. Attention Ricardo. Ta. C'est bon, ça passe pas, il viendra pas. Magnussen va se faire dépasser. Magnussen, ouais, il est très proche avec Gasly. Pour l'instant c'est bien, mais... Puis en plus il y a Norris. Oh, il tient, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud. État de la voiture, c'est où ça déjà, les gars? Tout semble parfaitement en ordre, elle a dit. Attention, les pneus, là. On doit s'arrêter quand? Je pense qu'on s'arrête dans 3-4 tours. Et Gasly qui ne passe pas. C'est une belle bataille, quand même. Hein. C'est une belle bataille. Aïe. Oh. Oh là 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 là. Attention, j'ai peur de l'accident. Ou j'ai peur. Attention, vous êtes prêts? Ok. Alors là, mon Gasly, ça ne passera pas comme ça, bref. Ça ne passera pas comme ça. Allez, l'aspi. Ouais, comment ça, je me fais enrhumer? Ah, il a eu le DRS, pas moi. Ah, il a eu la... Pas grave. On va se mettre en récup ici. Et dans la ligne droite, mon pote... Le problème, c'est les pneus, putain. Les pneus, ça va être un peu chiant.
Allez, go, 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 go. Les restes derrière. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Large, 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 large. Moteur Ferrari, les gars. Défense. Là. Tranquille. Oh, drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le ralenti. C'est qui? Voyons donc ça. C'est Lance Stroll. Perte de contrôle, c'est le blocage. Non, mais le jeu, il est mal. Attendez, il y a un problème. Ah, c'est pas possible. Le forcing, les gars, le forcing. Mais là, c'est une bataille, vraiment. Je peux pas mettre, les gars, je peux pas mettre en x4. Hein. Là, c'est une grosse bataille. Hein. AlphaTauri avance d'une place. Oh, bâtard. Regardons quand je regarde ça, pas. Regardons ah, ça. Ouais, mais là, la bataille, elle est rude. Je me laisserai pas faire. Il va falloir que je m'arrête bientôt, là. Je m'arrête quand, là? Je m'arrête dans 3 tours encore. Allez, dépassement. Allez. Copy. Oh là 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 là, on a perdu du temps sur la réaccélération. Ouais, c'est bon, ça passe large. Ok, ça repasse, ça repasse. ERS Mike, merde. Okay, nice work. Il est comment Mike? Ça peut être pas mal ça. Allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Oh les gars, je le tente. Oh, je le tente. Let's catch him. Bâtard. Revoyons ça. Regardons cela. Voilà Pierre Gasly. Bah ouais, je suis sur un arrêt. Je sais pas pourquoi je veux le faire pousser comme ça. Parce que je veux du spectacle. On va se mettre sur un petit truc tranquillou bilou. Hop. On va le laisser courir tranquillement. La stratégie. On est loin de s'arrêter. Non, non, je pense qu'on en refait un, non? Vite, 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 vite. Go, 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 go. Oh non, j'ai mal géré. C'est pas grave. Oh, quoique. Oh, c'est dangereux! Calme-toi, calme-toi, calme-toi maintenant, calme-toi. Calme-toi. Oh putain, il s'est gouré en plus, Gasly. Oh, c'est beau ça. Je m'arrête tour d'après. On va récupérer, on arrive bout de ligne droite, secteur sinueux, récupération, carburant, on est en équilibre, on est super. Conduite un peu plus standard. 42% de gomme, faut pas que je passe le con. Est-ce qu'on rentre maintenant? Faut pousser au max, 30% ça va encore, ok. Vous êtes sûr? Ah, Gasly qui va repasser. Ah mais là, je suis bien de mettre arrêt au centre ce tour. Ok, donc je vais mettre ça après. Je vais mettre ça après, ok, ok, j'ai compris. En fait, si je change le pneu, c'est pour m'arrêter ce tour. On va le dépasser, normalement. Ouais, c'est bon, c'est bon. Putain, la bataille, elle est insane! Essence de Mick. Mick Schumacher, il est avec Tsunoda Ricardo, là. Et attends, mais il est encore en train de se battre avec eux? Qu'est-ce qu'il faut à se battre avec eux, wesh? Alors que je l'ai mis en mode calme-toi. Mais là, il veut que je boxe maintenant, là, ou il va boxe un tour après, les gars? Non, là, il va boxe maintenant. Ah non, il va boxe. Ok, non, là, c'est bon, il va boxe maintenant. Ok, donc là, hop. Là, je peux faire ça, confirmer, arrêt au stand de ce tour. Box, Kevin, box. Box. Box, box. Ok, ok, ok. Et là, on attaque. On va faire SMM. Il ne doublera pas. Mode push. Copy that. Allez, go, go, go. On y va, on y va, on y va, Kevin. On y va. Fais pas d'erreur. Ouais, il ne doublera pas, là. En mode attaque, c'est compliqué. Par contre, il reste bien derrière, alors que lui, il fatigue pas trop. Hein. Il se fatigue pas trop, le Pierrot, là. Oh putain, il rentre aussi! Oh la vache, ça jouait sur l'arrêt! Oh la vache! Ok, lui là, il s'arrête maintenant. Je m'arrête tout à la fin de la ligne, je crois. Ah, mais lui aussi. Allez, allez, allez! Good job, mec! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. As vient de gagner une place, on dirait. Ouais, on a une belle bataille. Magnussen, je repasse devant. Attention, parce que là, je m'arrête bientôt pour Schumacher. Ouais. Attention quand même à pas faire n'importe quoi! Ouais. Schumacher, les gars, il y aurait 50% de pneus. Et je m'arrête. En vrai, je peux attaquer un peu plus avec Magnussen. Avec Schumacher, non? Septième, les gars, septième. Ouais, parce qu'il s'est pas arrêté. Mais je pense que, ouais, on peut être sur une conduite un peu plus agressive. On peut être sur une conduite un peu plus agressive. Et Schumacher, il est où? Il est là. Il est tout seul en plus, donc c'est cool. Il y a Hamilton derrière qui va passer, qui va pas tarder à le rattraper. Derrière, il y a Ocon et tout qui sont arrêtés aussi. On n'est pas si loin que ça, hein, du petit peloton de devant. Mais à deux, je pense que ça va être compliqué, on va trop se gêner. Avec Gasly qui repasse. On essaie avec Schumi de ralentir tout le monde. Ah! Ah putain! T'es pas bête, toi? Putain, attends, attends, attends! Je vais regarder. Schumacher qui est cinquième. Est-ce qu'on peut pas tenter de ralentir tout le monde? Là, je mets un récup. Et dès que je suis à 100, je me mets en ERS défensif avec une conduite agressive. Je vais tenter, charge les gars. On, charge on. Retenir les voitures. Ah, bien vu. Mais si, vas-y les gars, on se tente ça les gars, on a l'occasion de le faire.
avec une strat décalée entre les coéquipiers, je pense qu'on peut se le tenter. Hein. Ah, bon, là, on les voit arriver, là. On les voit arriver à vue d'œil en face. C'est le moment. Allez, on défend, on défend. Oh, bordel de merde! Ok, donc là, il y a le peloton là, et moi, mon coéquipier, il est là. Donc le but, c'est que Mick Schumacher, il gêne ce peloton là, pour que nous deux, on puisse remonter tranquillement sur le devant. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Allez, tu défends, tu défends. On pousse ici. No more lifting coast. Pas mal ça. Allez, par contre, faut que je push ici pour revenir, bien vu. Il défend bien, il défend bien, il fait un beau taf, il fait un beau taf. C'est le Sergio Pérez de Haas, les gars. Let's go. On est comment sur la carte, là? Une ligne droite d'écart. Ça va être tendu, mais ça se tente. Hein. Regarde comment il gêne. Regarde comment il gêne. Bon, là, il va pas pouvoir faire le taf, là, malheureusement. Là, il y a... Attends, en vrai... Oh putain, mais il relance tellement bien la Haas, les gars. Le moteur Ferrari. Attends, mais il gère. On récupère. To charge on. Copy. Défends. C'est bien, c'est bien. Non, laisse pas passer l'Alpine, laisse pas passer l'Alpine. Allez, viens. Aïe. Allez, tente un freinage tardif. Oh, c'est chaud. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, ça revient, mais là, ça va être compliqué de les garder aussi longtemps. Ouais, ça va être trop compliqué. Ils sont trop rapides. L'écart de temps, ouais, on aurait pu voir un peu ce qu'on a gagné. Il reste deux, là. Hein. Là, je l'arrive à bien les gêner, eux, en fait. Bottas et Russell. Je suis à 6 secondes de Russell. 6 secondes 8. Mais je pense que là, on va le RS Mick. Là, je pense qu'on peut le box, non? Là, je pense qu'on peut le box. Prochain tour. Ah, deux voitures, c'est dur à gérer. Les pneus sont encore bien, ouais, c'est pour ça, ouais, je me dis, on va laisser comme ça, mais bon. On va pouvoir se mettre comme ça, les gars, vu que là, il va rien se passer. Ah, Mick, qui tient là, ouais. Attends, mais il tient largement là. Attendez, quoi? Comment ça, il tient autant la cadence, Mick? Il est devant, regardez, il est juste derrière! Qui a le DRS sur le sol. Attends, mais la stratégie un arrêt peut être incroyable du coup. Hein. Les amis, je crois qu'on peut faire une... Non, je dis rien. Je dis rien parce que ça se trouve, ça va être de la merde. Mais Mick est bien là. ERS... Oh putain, j'avais pas vu. Merde. Sur le gros freinage, tu vois, il récupère 30%. C'est important, je pense, se mettre en récup juste avant le gros freinage. Bon, là, tu vas voir, là, il va récupérer 20%. Regardez. 1, 2, 3. Hop. Ouais, 15-20%. On va essayer de le faire conduire un peu plus tranquille avec les hard, les gars, ok? Ça peut être pas mal. Aérostand sur ce tour. Et on est bon. Il ressort loin quand même. Après, les autres vont se réarrêter. Oh, il ressort juste derrière Tsunoda. Ça, c'est chiant. Ça met dans une allure plus tranquille. Avec un petit récupération au début. Oh la vache. Ils vont gêner. Oh la vache, ils vont gêner. Ah non. On va voir ce qui se passe. Ah là, c'est le pire truc. Allez, intérieur. Oh, c'est mort. Oh la feinte. Oh la feinte! Et Magnussen, l'arrêt? On l'arrête au tour combien là? On l'arrête par ici, non? Tour 35? Putain, ils nous font chier devant là! Oh non, en plus, on avait une bonne strat! Ok, faut qu'ils puissent les dépasser juste après là. Ok, juste après le virage chiant là, je mets le dépassement. Allez, prends la spi! Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah! Oh non! C'est quoi ce jeu? Good job, Kev. Là! Ouais. Là! Allez! Allez! Oui! Encore! Par l'extérieur, sur Ricardo! Ah non, ça passe. Oh si, ça passe! Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Ouais, mais là, du coup, c'est pas bien ce que je fais, là. Juste trop les pneus du boss, là. Bon, je mets léger. Allez, vas-y, on reste en récup. Vas-y, partez devant. Est-ce qu'on se le retente sur cette ligne droite, les gars? Je pense qu'on va, se le retenter. Je suis joueur.
Bon là ça passe, ouais, mais après ça va être une bataille chiante. Et là il s'est un peu écarté Tsunoda, okay, devant. Charge on. Copy. Est-ce qu'on peut pas dépasser Tsunoda après là? Ça va être chaud d'aller le chercher. As vient de gagner une place, on dirait. Malheureusement ça sert à rien. Et j'ai pas envie d'être derrière tout le temps à chauffer mes pneus. Mais j'ai l'impression qu'ils sont trop lents pour partir devant. Il reste quand même pas mal de tours. Ça fait peur, les gars, ça fait très peur ce qui va se passer. Après c'est celui derrière qui chauffe les pneus là. Oh putain, je suis juste là. Oh putain. C'est le moment. Allez, on les élimine, s'il te plaît, Ma et Mick. On les élimine, s'il te plaît. Oula. Attention. Ok, c'est bon. Ok. Et bah non, par contre, faut plus se faire doubler. Le problème, c'est que quand t'es premier, bah t'as pas le DRS. Et tu te fais souvent niquer, donc. Il va falloir creuser un peu l'écart. Ouais, genre, je vais peut-être pouvoir faire du S. Oh, bâtard. Ouais, non, ça sert à rien. Ah, putain, je perds du temps. Hein. Je perds du temps et je nique les pneus. You're currently P15. C'est ta queue de Stroll? Une voiture a fait un tête à queue. Revoyons ça. Regardons cela. Voilà, oh, Pierre Gasly. Quelle tête à queue! Attendez, c'est incroyable ce qui se passe. C'est pas du tout tête à queue, mais c'est bien ça! On l'emmène à la faute! Les pneus, ça dit quoi? 87? 58? Ça va, c'est bien. Gasly pénalité. Oh, c'est bon ça. Et derrière, ça revient. On peut push un peu plus, vous pensez? KKF, no management required, so push as much as you can. Copy that. Derrière, ça revient fort, putain, à cause de notre bataille. On va se faire niquer, les gars. On va se faire niquer nos points. Oh, je recreuse un peu l'écart. Là, je suis en train de mettre du rythme. Il a du mal à me suivre. Il a du mal à suivre, Gasly, let's go! Il est usé! Meilleur tour. Oh, le meilleur tour pour Magnussen! Attends, mais c'était un objectif, non? What the fuck, comment ça se fait que j'ai le meilleur temps? Oh, le truc de fou malade. Gasly qui va prendre une pénalité, je pense. Ok, on va regarder vite fait, ça dit quoi, là? Ok, lui, il est bien. Il suit bien la courbe. Et là, il économise bien ses pneus, parce qu'en fait, les gars, pour tout vous dire, la courbe jaune, là, c'est les prévisions. Et là, c'est ce que Magnussen fait. Donc en fait, il garde plus ses pneus que les prévisions. Donc en fait, il peut se permettre de plus attaquer. Et limite, non, on va le laisser comme ça. Et il va mettre des softs à la fin, non? Ça peut peut-être être encore mieux. Ça va être le moment de creuser l'écart avec Gasly, là, encore. Aïe, mes pneus adhèrent mal. Magnussen, ah oui, on est dans la zone. On vient de rentrer dans la zone critique, il reste 29% des pneus. Je pense que... Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de prendre des softs? Putain, ça c'est un choix critique. Est-ce qu'on peut se permettre? Oui. Prochain tour ou maintenant? C'est l'arrêt au stand pour prendre des softs. Ah putain, j'en ai pas des tout neufs. Aïe. Ah, j'ai pas de soft tout neuf, les gars, je peux pas. Alors, on va prendre des médiums tout neuf, je suis obligé. Ouais, ok. C'est très bien comme ça. Magnussen, il a creusé un petit peu l'écart sur Gasly. C'est très léger, mais ça le fait. Verstappen s'arrête. C'est là que là, on va voir si la stratégie en aurait paye, mais je pense que oui. Albon, faut pas qu'il gêne devant là. Hein. Wow, un tête à queue! Regardons ça de plus près. Regardons cela. Il s'agit du pilote d'AlphaTauri. Ah, oh, c'est Gasly! Terrible. Il perd complètement. C'est Gasly! Je crois que c'était Gasly. Ouais, c'est Gasly. Let's go! C'est bien ça. Désolé, Gasly, je t'aime bien, mais là, tant mieux. Tu vas moins me faire chier. Ok. Très content de ce qui se passe, les amis. Magnussen qui va du coup rentrer au stand. Dans la logique. On ressort comment là? Ok, on est devant. Ok, ça va. Non, ça va pas. Putain, il y a Ricardo qui va faire chier la bite. Il y a Ricardo qui va être chiant. Oh non. C'est une cata ça. Oui. Oh là. C'est très bien. Oui. C'est bien. Moi, j'aurais fait exactement la même chose. On peut récupérer, ça c'est chiant. On va pousser ici. Remonte de quelques places. Ok, de toute façon, ils vont s'arrêter derrière. Ils vont s'arrêter, c'est sûr. J'en mets ma main coupée qui s'arrête ce tour. Ricardo s'arrête. Tsunoda s'est pas arrêté, par contre, le petit salaud, là. Il est en H. Ah ouais, il est en H, j'avais pas vu. Donc, il fait un arrêt. Ok. Attends, mais il peut m'enlever Schumacher des points, du coup. Oh, il va m'enlever Schumacher des points, les gars. Il va m'enlever Schumacher des points. Il faut que je push. Les gars, il faut le doubler. Ah non, Schumacher, je pense que c'est mort. Non, je pense que c'est mort. Il tiendra pas le rythme. Ouais, ok, bon. La stratégie en arrêt, elle était bien, mais le pilote est pas assez bon. Le mec, il remet sur la faute du pilote. Ok, reste 10 tours, les gars. Magnussen, très bien. Il va finir 9e. Et Mick, 12e. Oh, il a retracé. Oh putain, attendez, Mick, les gars.
Attends, il y a un moyen. Ils sont à 46% de leur pneu soft. Il reste 5 tours, ils vont pas tenir devant. Les gars, il reste 5 tours, la vie de ma mère, ça peut le tenir. Ils sont pas loin devant. Hein. Personne derrière, là, il faut se focus. Il faut se focus. Je peux les faire ralentir. Non, il pourra pas. Regardez, il est pas loin. Et on déploie ici. Et go. Allez, tu peux aller chercher cette 10e place, Mick. Tu peux aller la chercher, cette 10e place. Ils vont pas tenir leur soft, ils sont en train de se battre. J'en demande peut-être beaucoup. Charge on. Aïe. 3 tours. Oh là, les amis. Cette course était monumentale. Attention, Ocon. Ah ouais, Ocon, il est juste derrière, bâtard. Oh, bâtard, il est revenu. Meilleur tour pour Leclerc. Ah, le seum. Oh, bâtard. Ah, c'est pas grave. On a voulu tenter. D'accord. Et coucou. Garde le DRS. Oui. Il a peur. C'est pas grave. Mais plus le dermal. C'est pas grave. Oh. Ok, understood. Oh. Oh là là, mais attends, mais c'est pas la même voiture là. Ok, Léo Magnussen, il y est bientôt. Ok, il y est, on va attaquer mon ref, c'est le moment. Ah mais j'ai pas de RS, sa mère. Ok, on va récupérer, et après on attaque. Great job. On est obligé malheureusement. Ah, les pneus de Mike, ça le fera pas. Ils sont dégommés. Ouais, je vais pas prendre de risque. Alpine a gagné une place. Je vais pas prendre de risque. 13ème, c'est bien avec une As déjà. Allez, régénère-toi là. Je suis au 56, c'est Leclerc qui est au 56. Donc je peux retenter un tour en... Parce que là je vois 56, donc là je passe la ligne, je suis à 57. Après je finis mon tour, j'ai fini. Dans tous les cas c'est mon dernier tour là. Ah ouais, c'est Leclerc qui est en 56. Ah ouais, donc là j'ai le temps en vrai. Je peux encore... Vas-y au pire je tente sur ce tour là, vas-y au pire tant pis si je perds. Hein. Tant pis si je l'ai pas. On récupère ici. Charge on please. Copy. Voilà. Allez, on déploie. Load push. Copy that. Essence, c'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud. Comme tu dis, ça va le faire. Charge on. Copy. Load push. Copy that. Je suis pas sûr que ça sert à quelque chose, ce que je fais avec le RS. Je fais comme si je conduisais, mais... Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Allez, on veut le meilleur tour, les gars, on veut le meilleur tour. Choumi, non, on s'en bat les couilles. Allez, go. AlphaTauri a gagné une place. Ah ouais, je me suis fait niquer par Gasly. Ah. Allez. Ah bah non. Eh bah non. C'est pas grave. On est à combien? On peut voir le temps autour, là? Dernier tour, une 35-1. Leclerc. Merde, l'essence, j'ai oublié. Merde. Hop. Bien vu. Au cas où. En termes de pneus. Oh, les gars, la gestion. On est pas mal en termes de gestion. Et du coup, Mike, mon 14e, les gars, c'est très bien. Hein, tant pis. Hein. Il n'y a plus de pneus, on a fait une stratégie en arrêt, on était les seuls à le faire. On a gagné 2 places au final, on a doublé Ricardo Tsunoda. Ils sont peut-être juste derrière. Hein. Non, ils sont loin. J'étais proche de me faire prendre un tour en fait. Mais on a les points, on a gagné une position avec Magnussen sur Gasly. On l'a conservé, je pense qu'on peut être fier de nous. Check the flag. Oh les gars, GG le chat, on l'a fait ensemble parce que j'avoue qu'il y a des trucs, je pensais pas. Hein. Gérer 2 pilotes, c'est hyper dur. Merci à vous le chat, des GG à vous. Vous m'avez régalé. 9ème, putain, let's go, une As.
On a fait la Q3, on a fait 9ème, on a les points. GG Kevin, j'ai plutôt bien fait de te garder. On a gagné deux petits points, mais avec c'est quand même précieux des points. On va essayer d'en récolter un peu plus, mais c'est très très bien les gars. Potentiel de développement, course, tac tac, total 800. Je m'en aussi, j'ai gagné pas mal. Très bien ça. Les deux résultats sont bien. On a tenté deux stratégies différentes. Ça a payé les deux en soi. On a gagné plus 3 millions d'euros grâce au sponsor. Garantie, taux de base du sponsor. Ok, on est bien, on est bien. Oh les gars, on est bien sur ce week-end. Pour cher, ouais, j'ai kick Fittipaldi pour mettre pour cher en pilote de réserve. Le conseil ainsi que nos sponsors sont satisfaits. Et nous avons mérité un bonus pour nos performances. Oh là là, la chatte. On a fini le tutoriel là. Non mais les gars, on se spoil pas pour tout à l'heure, ou pour demain plutôt. Mais là, ce week-end de course était magnifique, j'ai trop kiffé le jeu. Le jeu, il est monumental. Le souci, c'est que hors live, à le faire de votre côté, ça doit être intéressant aussi, mais en live, les gars, je vous avoue que c'est incroyable comme jeu. Un grand prix par live, voire deux. Deux, ce serait le top, mais bon, ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Faut que tu te mettes en x16. Ouais, mais en x16, le problème, c'est que la course, tu te fais chier, quoi. Enfin, tu gères rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on avait toujours des trucs à faire. Si je me mettais en x16 régulièrement, j'aurais pas fait aussi bien. Donc, voilà. Ou alors, tu mets un pilote en auto et tu gères un seul pilote. Pourquoi pas? On se retrouve du coup pour la suite demain. Des bisous, les gars. Merci à tous. Énormément, je vous aime très fort, portez-vous bien, c'était la petite bouse. Ah, j'ai trop kiffé, putain, vive la commu, vive Twitch. Merde, trop bien, let's go. Woo!